C'est une musique d'église, c'est-à-dire une musique pour prier. Le gospel, c'est une musique traditionnelle et populaire noire, jouée et chantée par les Noirs et dont les thèmes sont religieux. Ce sont très souvent des récits bibliques qu'ils ont transformés en chansons. C'est ce qui correspond, enfin c'est américain, d'essence américaine, c'est ce qui correspond à nos cantiques, quoi, avec une forme différente, mais c'est la même chose. C'est un chant de l'évangile, mais c'est l'évangile chanté d'une façon avec beaucoup de choix. Ça remonte à l'arrivée du peuple noir au 19e siècle. Enfin, ça a commencé un peu plus tôt, mais disons que ça a culminé vers la première moitié du 19e siècle, avec cette importation forcée et massive d'esclaves noirs d'Afrique en Amérique par les colons blancs. Alors à ce moment-là, s'est développée une forme de musique qu'on a appelée plus tard négro-américaine, c'est-à-dire une musique africaine mais américanisée, et qui était aussi une musique religieuse. Dans la mesure où on a essayé un peu par force de convertir les noirs africains aux différentes religions protestantes, ils ont été amenés à trouver leur réponse, qui est l'invention d'une musique religieuse à prétexte chrétien, mais d'essence africaine, c'est-à-dire très rythmique. Et ça a été la gospel music, qui est la musique de l'évangile. C'est possible de transposer l'esprit de gospel song dans la langue française. Par exemple, je chante le grand Hallelujah. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia, alléluia. La joie du Seigneur éclate en nous. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia, alléluia. La joie du Seigneur éclate en nous. Alléluia, alléluia. Viens mon ami, parmi nous chanter. Alléluia, alléluia. Viens mon ami, parmi nous prier. Alléluia, alléluia. Viens avec nous, tu découvriras. Alléluia, alléluia. Près du Seigneur, la vie et la joie. Alléluia. Aussi que les gospel songs sont souvent chantés par les groupes, par exemple comme les Clara Ward Singers, Jubilee Singers, et bien connu en Europe, The Stars of Faith. Make it through. I'm some way, some way, somehow. Somehow. Oh, my.
c'est une musique qui se danse autant qu'elle se chante. Et il arrive qu'on voit dans des églises noires américaines, avec cette musique, presque une ambiance de boîte où l'on danse. Salut à tous. But if I perish, mais si je dois mourir, eh bien que je meure. Mais je suis sûr d'aller tout droit vers le Seigneur. Shh. Come on, stop, boy. Shh. Shh. Hey, you know what? They can't help it. The Bible said, shh, when you get home, get your Bible. Quand vous rentrez chez vous, prenez votre Bible. And dust it off. Secouez-en un peu la poussière. Shh. And open it up to the 150th Psalm. And it says, praise ye the Lord. La Bible vous demande de louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur en chantant. You know what the Bible said? Some folks say I would like gospel singing, but they got too much beat. The Bible said. La Bible dit. Praise him. Louer le Seigneur. With the string instrument. Avec les instruments à cordes. Shh. What they playing over there? Those are string instruments. Et voilà les cordes. Shh. Hold it, y'all. Bass player, just praise him for 1 minute there. That's enough. And that's a lead guitar right there. Wonder, can I get you to praise him just 1 minute there? Okay. This here, we call it a piano. Ici le piano. But up underneath here, the 162 strings. Et là encore, il y a 162 cordes. Just a little bit, boy. Got a tambourine, stand up. Got a tambourine, you brought your tambourine with you.
Levez-vous avec vos tambourins. Car la Bible dit, louez le Seigneur en battant le tambourin. I didn't say it, the Bible said it. Bible said, praise him with the organ. La Bible dit aussi, louez le Seigneur avec l'orgue. Et ma Bible à moi dit, louez le Seigneur en dansant. C-E. What does that spell? Now you all think dancing is reserved for all the rock and roll folk. Mais la danse n'est pas là seulement pour les danseurs de rock and roll. Lorsque Jésus est né, les anges ont dansé. And the Bible says they leap for joy. Woo! Je pense que ces paroles transmettent un message moral, un message qui dit que il faut souffrir sur la terre pour mériter le ciel après la mort. Et je pense qu'à notre époque, on ne penserait pas du tout comme cela. Oh Dieu, merci, merci Dieu, pour merci. Ce paradis qui s'ouvre aujourd'hui. Pourquoi je crie? Merci Dieu, merci pour ce paradis qui s'ouvre aujourd'hui à l'un de tes fils. Pour le plus petit, le plus pauvre aussi. Merci Dieu, merci pour ce paradis. Oh, merci Dieu, merci pour ce paradis qui s'ouvre aujourd'hui. Golgotha, il y avait une croix. Il y avait une croix et Seigneur, c'était toi. C'était toi sur cette croix. Et peut-être que c'était déjà vers moi que tu tendais les bras. Peut-être vers moi, moi que tu reçois aujourd'hui dans ton paradis. Moi le plus pauvre, moi le plus petit. Oui, sur la croix, oh, c'était toi qui tendais les bras vers moi. Moi le plus petit, le plus pauvre aussi, parmi tous tes fils qui te crient merci. Vers le plus petit, vers le plus petit, parmi tous tes fils qui te crient merci. Et je sens là de joie qui brûle en moi, qui brûle en moi, et je te crie pour ce paradis qui s'ouvre aujourd'hui. Oh Dieu merci pour ce paradis qui s'ouvre aujourd'hui. Oh Dieu merci. Ah, 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 ah. Merci Dieu merci pour ce paradis. Oh. Merci Dieu, merci pour ce...